La 8e journée du championnat de France de CFA, elle s'est bien terminée pour les Tigres canadois. Une belle victoire face au Grenoble Foot 38. Victoire 2-1, deux superbes buts. On retrouve tout de suite l'entraîneur Stéphane Durbado. Oui, une victoire qui fait du bien, surtout après deux défaites d'affilée. Donc voilà, on a connu une première mi-temps cauchemardesque où on perd deux joueurs sur blessure à la mi-temps, donc il a fallu se réadapter. On a pris un pénalty aussi sur le peu d'occasions que Grenoble a pu se procurer. Donc voilà, c'était mal embarqué à la mi-temps, mais on a vu que les gars ils avaient des ressources mentales pour être capables d'aller non seulement égaliser, et en plus d'aller chercher cette victoire à la fin. On a senti votre équipe qui n'a jamais douté, qui s'est jamais mis dans la panique. Elle a su attendre le bon moment pour réagir et ça a payé à la fin avec ces deux super buts, Stéphane. Oui, bah, y a les deux buts, mais avant les deux buts, il y a l'arrêt aussi de notre gardien Antoine à 1-0 qui nous permet de rester dans le match parce que 2-0 ça aurait été terminé. Donc du coup, voilà, on a su faire le dos rond. On a eu un moment difficile en début de deuxième. Et voilà, avec des ressources mentales, on a réussi à égaliser sur un beau coup franc d'Omer et puis de marquer à la fin sur un but magnifique de Marouane. Et bah c'est bien, ça fait plaisir. On prend la deuxième place ce soir. Stéphane, merci aux supporters. Ils ont répondu à l'appel, présents. Des encouragements qui sont venus de la tribune. Oui, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu autant d'ambiance à Chouffet, mais non, à Villefranche en tout cas. Donc ça fait énormément plaisir, surtout pour les joueurs, quand ils marquent, quand on entend tous ces gens qui crient à la fin, ça fait énormément plaisir. On va retrouver le capitaine du FC Villefranche Beaujolais, Sébastien Atlan, le Tigre caladois. Sébastien, belle victoire, gros match de votre équipe ce soir, Sébastien. Oui, c'est sûr qu'on avait à cœur de se racheter après l'affront en Coupe de France à Saint-Marcelin. C'est vrai que ça faisait un peu tâche. Maintenant, on a su se dire les choses dans la semaine. Je pense qu'on a un groupe assez mature cette saison pour réagir. Aujourd'hui, il fallait le montrer sur le terrain. On s'est dit les choses avant le match. Les joueurs ont adhéré. Il fallait retrouver un état d'esprit conquérant et positif pour aborder cette rencontre combien importante pour rester collé au du classement. C'est sûr, au début de saison, les objectifs ils ont été donnés. La Coupe de France, c'est fini, donc on n'en parle plus. Voilà, maintenant, on est concentré à 100% sur le championnat. On a à cœur de faire une belle saison. Comme je vous le répète, on a un groupe très compétitif. Donc maintenant, c'est le montrer sur le terrain. On voit que devant le puits, ils ont une cadence assez forte. Donc on fait tout pour rester accroché afin d'espérer le plus longtemps possible et jouer notre carte à fond. Voilà, aujourd'hui, on avait une belle équipe en face de nous. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est la capacité de réaction qu'on a eue aujourd'hui. Parce que mener 1-0 face à cette équipe, c'est pas évident. Et voilà, aujourd'hui on a su mettre le bleu de chauffe, se sublimer, voilà, et puis j'espère qu'on va continuer sur cette voie. Voilà, super analyse de Sébastien Atlan après cette belle victoire face au GF 38. Belle victoire, 2-1, bravo pour les Tigres canadois.